Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale recours de course que j'ai toujours l'habitude d'effectuer chez Lidl. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir les offres spéciales dont j'ai pu profiter et donc tout ce qui est format XXL. Je vous avoue que voilà, dès qu'ils mettent ça en place, je fonce direct à Lidl parce que ce sont des choses quand même en grande quantité et surtout à des prix vraiment abordables et surtout très avantageux. Donc là, je vous montre un petit aperçu comme d'habitude. Et bien sûr, je vais commencer par le frais. Donc là, j'ai pris mon petit paquet habituel de 3 fromages râpés. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche entière. Donc ça, c'est vraiment des choses classiques que j'ai tendance à prendre. Je garde souvent dans les placards ou même dans le frigo. Ensuite, voilà, vous voyez, j'ai trouvé de la mozzarella à 99 centimes. Il y a deux morceaux donc, de mozzarella. Pour le prix, franchement, j'aurais dû en prendre deux d'ailleurs. Donc là, j'ai pris toujours le même beurre Saint-Hubert Oméga 3. Ici, j'ai pris donc les 3 petites briques de crème entière liquide. Ici, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas chers et au niveau des ingrédients, c'est vraiment pas trop de mélange, pas trop de choses qu'on ne connaît pas. Donc franchement, j'ai préféré prendre une boîte. Ici j'ai découvert donc la mozzarella râpée, je ne savais pas qu'ils en faisaient, donc c'est peut-être une nouveauté, en tout cas j'en ai pris un. Ici j'ai pris donc 2 filets d'oignons jaunes, donc 99 centimes un filet. Et donc là j'ai pris des pommes de terre, ce sont toujours les mêmes que je prends. Elles sont peut-être un peu plus chères, mais en tout cas, ce sont vraiment les meilleures. Ici, donc, j'ai pas pris grand-chose en termes de fruits. J'ai pris des bananes. J'ai trouvé que c'était pas cher, 99 centimes le lot de 5 bananes. Donc, du coup, j'ai pris 10 bananes au total. Et j'ai pris une caissette de clémentines. Par contre, j'ai trouvé ça un peu cher. Mais je pense que là, c'est plus trop la saison. Mais voilà, j'ai pris ça se termine très vite à la maison. Et ensuite j'ai pris donc ce paquet de pâtes à 47 centimes, donc vous voyez en format XXL, ça vaut le coup. Ensuite j'ai renouvelé ici la ciboulette que j'ai tendance à mettre toujours à la fin de tous mes plats. J'ai pris 2 boîtes de thon. Ensuite j'ai pris donc le grand sachet de riz. Franchement je le prends tout le temps dès qu'ils le mettent en rayon et ça me fait vraiment le moins. On n'en mange pas tout le temps, mais franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai renouvelé tout ce qui est snack, donc les dattes. J'ai pris des dattes et j'ai pris également des amandes. J'ai pris 2 paquets de chaque. C'est vraiment ce que je prends à l'heure du goûter. C'est un coup de pain aussi, et franchement, c'est bon, quoi. Ensuite, j'ai pris donc le pain de mie. Je prends toujours le même, comme vous avez déjà dit. Le pain de mie donc complet. Ensuite j'ai fait cette découverte donc la tisane, donc les sachets de thé fenouil, et j'ai voulu tester celui-là aux 9 plantes, donc franchement à voir. J'ai pris une bouteille d'eau d'oasis pardon tropicale pour les enfants, et là en fait pour le ménage j'avais besoin de sif crème comme ça pour nettoyer surtout mon four. Voilà, vous voyez, c'est pas grand chose, mais en tout cas, j'ai pu profiter de bonnes offres XXL et ça ne s'arrêtera pas là, en tout cas, c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, c'est pas grand chose. En tout cas, j'espère que ce retour de course vous aura plu et vous donnera des idées également pour vos prochains achats. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.